cette photo, nous pouvons observer qu'il y a un objet ici. Cet objet semble sphérique de premier abord, mais après on peut voir qu'il est plus discoïdal, comme un losange écrasé. Mais ce qui m'interpelle sur cette image, c'est que en effectuant un filtre de plus, en rajoutant un filtre qui s'appelle Error Level Analysis, on rajoute, et là on peut observer qu'il y a un deuxième objet qui apparaît. Et en zoomant avec la photo originale, où on peut s'apercevoir que grâce au filtre précédent Error Level Analysis, qu'ici on voit l'objet. Et qu'en zoomant sur l'objet au maximum, on peut s'apercevoir que soit il est triangulaire, soit apparaît ici comme un tic-tac. Mais c'est tout ce qu'on peut avoir de mieux pour cet objet-là. Donc, sur cette photo, on s'aperçoit qu'il y a deux objets. Donc, celui-ci, qui est ici. Et celui-là, comme vous pouvez voir, on dirait un disque, un peu avec des losanges, avec la pointe ici. Comme un losange écrasé. Donc là, on peut voir clairement la photo. Ici, il y a des rajouts ou des collages. On peut voir le rectangle de la photo. Et là, l'image de synthèse qui a été rajoutée sur l'image avec l'ombre qui est en dessous. Donc, pour détecter les erreurs de l'image, on clique. C'est pour vous montrer la différence. Error Level Analysis. On clique dessus et là, on voit clairement qu'effectivement, il y a détecté des erreurs, des carrés et l'ovni bleu avec l'ombre qui est en dessous et qui a des effets qui ont été rajoutés. Donc maintenant, on rajoute l'image normale. Donc l'image qu'on voulait analyser tout à l'heure où on voit clairement l'ovni. Ici, l'objet. Donc on va voir maintenant s'il détecte l'erreur. Donc il est en train d'analyser. Voilà. Donc clairement, il n'y a rien qui a été rajouté. Là, on voit le point de tout à l'heure, et là on voit l'objet. Mais on voit qu'il fait partie de l'image, on voit qu'il ne ressort pas du décor, donc il n'a pas été rajouté. L'image n'a pas été modifiée, donc elle est authentique. Je vais faire un additif à la vidéo précédente. Donc, comme je disais, ici on voit la forme, l'ombre au-dessous, puisque les couleurs sont inversées. Et la lumière, il a pris la lumière par-dessus. Donc, quand on vient changer ici le mode projection, on le met en mode différence. Et là, on voit, sous un autre aspect, l'objet. Distance et component.
peut voir que sur la vidéo, sur la photo, aucun clone n'a été détecté. Donc la photo est authentique. On refait. Voilà. Aucun clone n'est détecté.
Thank you.